Et bonjour, et nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 2. Donc ne perdons pas de temps. Hop. Alors les vidéos seront coupées un peu violemment, ça veut dire que ça va peut-être couper peut-être en plein milieu d'une course, on sait jamais. Je sais pas combien de vidéos là je vais faire, 4, 5, 6, on verra bien. Enfin, vous y verrez bien. Ah, et désolé pour la pluie dehors, c'est normal. Allez, on va se faire la course. Cette musique. Ah, oui. Ah, j'allais oublier. Je veux bien faire la course, mais il faudrait peut-être prendre d'abord la voiture qu'il faut. Hein. On va... Attends, allez où? Bon, bah on va déjà commencer par prendre la Z1. Donc Mazda, moi je soupçonne qu'elle a un moteur de moto, mais je vais pas regarder dans les statistiques, hein, enfin je pense pas que ça intéresse qui que ce soit. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il vous plaît, c'est important pour moi. Si vous voulez voir certaines vidéos, si c'est un jeu sur sur PS2, je l'ai probablement. Ça peut être un let's play, ça peut être tout ce que vous voulez. Après moi je fais ça pour un plaisir, mais quand même. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Toujours, toujours. Alors bon bah on va de toute façon, moi les voitures, vu l'argent que j'ai, je peux les modifier à fond, quoi qu'il advienne. Oui, parce que j'ai utilisé des codes, hein, veuillez m'excuser, mais c'est normal. Parce que ces jeux là étant preview, et ben malgré que le jeu soit neuf, et ben il y a quelques courses qui veulent pas marcher parfois. Et donc bah je suis obligé d'activer des codes pour pouvoir dire en gros au jeu que je l'ai fait sans l'avoir fait, et ça aide beaucoup. Ah, voilà. Donc AZ1, c'est une voiture bon, qui est petite, légère, ça c'est sûr. Par rapport au type de gabarit qu'elle fait, elle est relativement très puissante. Je crois qu'elles sont recherchées en ce moment. Et elles sont utilisées dans les. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est les courses des plots, enfin je sais plus comment ça fonctionne. Bon. Je vais vite la modifier parce que je sais pas, et en attendant, ça tourne. J'essaierai de faire des lives de temps en temps. Mais j'aimerais d'abord mieux connaître comment ça marche pour pouvoir vous faire des lives sur des jeux sur l'ordi directement. Comme ça, moi ça m'occupe et puis ça vous permet de pas voir juste un Google qui parle pour rien dire. Hein. Même si ça sera le cas. Ouais, je pensais, mais si dans les commentaires un ou plusieurs me demandent quel jeu j'ai, à la rigueur, je prendrai une vidéo avec tout le jeu mis à plat, puis vous verrez à peu près tous les jeux que j'ai, quoi. Mais comme je vous ai dit, j'en ai vraiment beaucoup, quoi. J'en ai même en double. Donc, ça, vous, voilà. Le seul jeu qui me manque, c'est, enfin, si j'arrive à l'avoir, tu vois, c'est Burnout Revenge. Impossible de le trouver. Voilà, si tu le trouves, mais quand tu l'achètes, bah, le CD il est pété en deux. Voilà. Mais déjà arrivé plusieurs fois.
Et tu pourrais comprendre que c'est incroyablement gonflant. Je vous le fais à prix réduit, hein. Normalement je l'aurais vendu à 30€, je vous le fais à 10, hein. On sait pourquoi. Alors celui-là, la Gran Turismo 2, je l'ai trouvé dans un magasin, dans un vrai magasin, hein. Je ne dirais pas lequel. Et 9, pas une rigueur, rien, 9. Par contre, le prix, ça c'est autre chose. Mais bon. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas la modifier, heureusement. J'étais prêt à la modifier à fond. Il ne faut pas. Enfin, là j'ai celle-ci, mais normalement, là je revérifie. Normalement, on a des pièces pour la tuner. Hop, ouais, là. Ça c'est juste les voitures normales, et en rouge, normalement il y a un truc en rouge, et là c'est des voitures améliorées. En gros elles ont des ailerons, elles ont des trucs pour attaquer au sol, et dehors ça commence vraiment à tomber là. Donc, c'est peut-être une petite voiture, mais 1, 2, s'il vous plaît. Ah. Passeur. On va y mettre à 8, hein, parce que... Hein, respectons-nous, Rome Circuit Full Course. Ça va être. Hop, j'active les joysticks. Alors. Ah. Normalement, la voiture qu'on gagne, c'est celle de devant. Moi, j'ai eu celle-ci. Je crois que je l'ai acheté d'ailleurs. Mais normalement, dans une des courses, on gagne celle-ci, mais comme vous avez vu avec l'aileron. Alors, oui, si vous critiquez, c'est pixelisé, c'est normal. Hein. C'est un jeu qui est sorti avant les années 2000, hein. Il me semble. Gran Turismo 2, génial ce jeu. Bon, certes, maintenant il y a un spoil, hein, et. Placement de produits, il y a Gran Turismo Sport qui va sortir là, enfin qui va sortir ou qui est déjà sorti, j'ai pas revérifié. Ouh, Cédric. Gran Turismo 7 qui va suivre après. Forza Horizon 3 apparemment. Ah, et pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je vous les conseille. Des fois je parle de trucs qu'il y a eu dans les autres épisodes justement. Alors pour vous les retrouver, parce que alors, moi quand je parle dans mes délires. Question. Ah, tourne. Pour une petite bagnole, ça va, elle est pas mal, hein. Alors oui, le jeu, je l'ai déjà bien entamé, comme la plupart des jeux, parce que avant déjà, j'avais pas de compte YouTube, ouais. J'avais pas de caméra pour filmer mes conneries, je dis conneries parce que, en attendant, personne ne regarde. Les freins freinent pas. J'aurais pu dire parti. Faire attention au virage parce que dès que vous tournez un peu trop. Mais elle reste en 4ème vitesse, hein.